Vas-y, on échange les rôles. Ouais. Moi je vais dodo. Oh bah. Au moins la dernière, vous pouvez deviner. Bon, allez, ouais, d'accord. Allez. Vas-y, je me mets en espion. Une grille où il y avait rien qui me venait à ce point. Ok. Bon, tu mets Emmot Only, Florence. Ok. Allez, je mets Emmot Only. C'est à vous en premier. Continue, mais alors il faut vous me raidez tous. Tout de suite. Quoi ? Bah je coupe pas mon live, donc je peux pas. Tortue, vague, plage, pile, danse, serpent, pensée, serpent-sée même, article. Ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai ? Allemand, capitaine, héros. Mineur, laine, bébé, oseille, 7. Fort papier, boulet, allemand. Capitaine, héros, minuit. C'est d'accord. Tortue, plage, pile, danse, pensée. Je suis mute là, ouais. On est les rouges, nous ! Catégorie micro-work. C'est mer ou océan ? Oui, quand le mot noir, c'est vague, bien sûr. Lourd. Tu vois pas que je joue au micro-work, là ? Bien sûr, les gens, tout à fait. Je sais bien mettre mer ou océan, bien sûr, quand le mot noir, c'est vague, ouais. Pour les abonnés tiers 2 qui jouent Codenames. Danse. C'est pour ça. Article pensé. Alors ? Guerre en 3. Guerre en 3. Allemand, capitaine, héros. Ça pourrait marcher, hein. Mais attends, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tortue, vague, plage, pile, danse, serpent, pensée, article, balle. Il y a balle. Il y a balle qui pourrait pas marcher pour gars. Quoi ? Ouais. Militaire, mais il y a toujours balle en fait. C'est ça le problème. Le problème, il y a balle, quoi. Débarquement. Un débarquement, c'est pas mal du tout, ça. Le problème, c'est vague, c'est très chaud. C'est pas si mal. C'est très chaud, ça. Complètement. Me poser la question. À un moment, j'ai hésité à mettre zen, et comme c'était un anagramme de nez, les gens m'ont dit, en vrai, c'est pas accepté. Et je me suis demandé, est-ce que pour vous, ça passait ou pas ? Pour moi, c'est un peu triché. Zen pour faire trouver nez ? Non, c'est triché. Il y avait aussi P, il y avait aussi Bonsaï. Pour moi, c'est un peu triché, j'avoue. Je sais pas si c'est triché. Est-ce que t'aurais dit nez si elle avait dit zen ? Je pense pas, ouais. Est-ce que t'aurais pensé ? Moi, je pense pas que tu aurais pensé, non ? Zen, j'aurais pensé à Anne tout de suite. Ah ouais, vraiment ? Ah oui, bien sûr. Ok. Moi, non. Avec moi, Florence, tu pourras dire ce genre de truc. Impossible d'y penser. Je prends note pour les prochaines parties. Franchement, c'est dur, là. Kaiser pour les trois du bas ? J'aurais jamais... Enfin, allemand, j'aurais trouvé. Capitaine et héros, je sais pas. Hitler en 5. Je te jure que si tu mets dans les 5, tu t'as mis héros, mon poteau, ça va mal se passer, par contre. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je réfléchis, deux secondes. Qu'est-ce qu'on va faire, le chat. Parce que pour moi, débarquement, je mets plage, héros, allemand, peut-être, balle. America en 3, pourquoi pour capitaine ? Changer de musique. Et quoi d'autre pour America, je vois pas. Vague, ouais, vague, franchement, c'est dur. Moi, j'ai un problème, j'écoutais des musiques en fond de stream avec des fonds de pluie ou de cheminée qui brûlent. Et depuis qu'on m'a fait remarquer que ça ressemblait à un bruit d'un truc... Non, vague, ça handicape que moi, ouais. J'entends plus que ça. Ah. Frire ! Que des musiques de jeux vidéo, d'habitude. Moi, je mixe. Non, pour moi, vague, débarquement, c'est trop chaud. Résistance, héros, capitaine allemand. En vrai, résistance pourrait être pas mal pour les trois du bas. Plus balle, je pense qu'il peut être éliminé de ça, en vrai. Moi, résistance, ça me tente bien, j'avoue. J'avoue que résistance, ça pourrait être pas mal. Et pile. C'est quoi les modes la plus bizarre résistance d'une pile. Vous avez dans votre collection là, je vous avoue. Il y a fort. Info chat. Ouais. Elle est très bien ton info chat. Avec... Moi j'ai envie de le tenter avec. Fort. Ouais, mais c'est un mot blanc en vrai. C'est utile. En vrai, c'est si utile. Vas-y, j'ai envie de le tenter. C'est ça. Je crois que je l'ai aussi, info chat. Je dois avoir l'équivalent, il me semble. Pour moi, c'est pas mal. Fort en plus, je suis pas sûr qu'elle est. Vas-y, on va voir. Mes émotes, bizarre. Ok, t'es prête, Florence ? Oui. En 4 ? Résistance. En 4, oh le bâtard. En 4, résistance. Très bien. Tortue, vague. Attends.
Oui, c'est comme ça, ok. Vague. Je sais pas, ça me fait penser au film La Vague, Résistance, un peu l'histoire du fascisme. Bon. Plage, pile, danse, serpent, une pensée. Ok. Les pensées, ça pousse dans la neige, non? Non, c'est les personnages, ça. Article, balle, affaire, manège, coupe, le sens, mineur, laine, bébé. Bébé, c'est plus résistant qu'on pense. Oseille. Ouais, je confirme. Ouais, ouais. Bah non, mais genre, les bébés, ils ont... Genre, il y a un truc que je trouve fou, c'est les bébés, ils peuvent garder leur apnée pendant hyper longtemps, genre pendant 2-3 minutes, qu'on peut plus faire à l'âge adulte. Allez, Florence, on se dit qu'on se focus. Moi, c'est que tu peux les lancer dans tous les sens et... C'est bien vu, Fred, bravo. Ouais. Un fort pour défendre les frontières, là. Les, un fort pour les prises de catch que les... j'ai fait à mon gamin. Fred, il va falloir aller faire de dos, je pense. Ah, mais il est mort de rire à chaque fois. Il est minuit une, là. Un boulet pour percer la résistance ennemie, un capitaine de la résistance, les héros de la résistance, l'appel de minuit de la résistance, le fameux, et les Allemands. L'appel de 18 minuit. Les fameux Allemands qui ont résisté aux Il y a des Allemands qui ont techniquement qui ont résisté, tu vois. C'est pas ceux qu'on pense en premier. Ah ouais, mais... ça m'étonnerait. Bon. Le plus évident, ça me semblerait héros. Ok. Capitaine de la résistance. On dit un capitaine de la résistance. En même temps, t'as fait avec les mots que tu pouvais, quoi. Donc, fort. Moi, je mettrais un fort fortifié. Putain, non ! Ok. Non, c'est vraiment pas Kamel. Tu follow ma chaîne ou pas encore ? Non, pas encore. Je pensais vraiment pas Kamel très fort avant en allemand, 3, j'avoue. Vert. Alors, une pile de verre, une tortue de verre, non, une vague de verre, danse, serpent de verre, pensée de verre, un article de verre, une balle en verre. Alors, attends, il faut quand tu cliques sur le doigt jaune, ça note. Ça doigt jaune, non, doigt jaune, ça met la tuile. D'accord. Il faut que tu cliques n'importe où sur le mot pour mettre un d'accord, divan. D'accord, ok, d'accord. Ouais. Laine de verre, donc bien sûr ça, oui. Mineur, techniquement, il va miner, et ce qu'il va miner, ça va servir à faire du verre plus loin, mais bon, c'est pas tout. Un bébé, c'est vrai qu'un bébé, ça aime bien manger du verre. Mario de verre. Ouais, minuit, le papier de verre, ça existe, ça, le papier de verre. Les Allemands, ils sont en verre de gris, aussi. Je suis en train de réfléchir. Je vous lis, je suis en train de réfléchir. Capitaine de verre, non, c'est pas... C'est un boulet... Je sais pas, une coupe en verre, bien sûr, mais coupe c'est vert. Mais alors le troisième, un article, peut-être vert comme la couleur. bon, Fred, c'est creux dans 3. C'est vert. Il y a pensée allemand 3, et article. Voilà, est-ce qu'on peut en général ? Ça me semble un peu. Oui, bien sûr. Dis rien et subis. Alors, déjà, je vais mettre la laine, je vais mettre une coupe, parce qu'une coupe c'est du vert, bien sûr. Et le troisième, je dirais vert. Alors, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais plage, sable. Avec le sable, on fait du vert. Ah non. Okay. Let's go. Mais je comprends ton raisonnement. Et de toute façon, c'est toujours la faute de celui qui fait deviner, on rappelle, hein, dans Codenames. C'est pas vrai, ça. Ah si, toujours. Mais vraiment pas, hein. T'es le seul mec au monde à penser ça, mec. Tu es forcément dans le tort. Le seul mec fair play, en fait. Non, tu es le seul dans le tort, mec. Si, c'est toujours la faute de celui qui fait deviner. T'avais qu'à trouver un mot mieux, en fait. Franchement, non. Allez, Antoine, je me souviens des trois autres mots qui me restent pour résistance. Cool. Et là, t'as une follow ou pas, là? Antoine, t'as une follow? Attends, je suis en train de réfléchir, Florence! C'est quoi? Sinon, je mets Einstein. Einstein était allemand. Pensée, article. Einstein pourrait être pas mal. Ah, il est autrichien. Non, mais c'est... Suisse, non, mais... D'accord, mais... Tu vas jouer Juden Chronicle, Zera. Nietzsche.
Oui, mais sauf que article, je pense qu'elle l'aurait plus s'il y avait... Si je mettais Einstein, je pense qu'elle aurait plus facilement article que si je mettais Nietzsche. Ah non, j'ai pas du tout joué à ça, non. Idéologie ? Mais pourquoi idéologie ? Il y a juste pensée qu'elle va avoir. Non, je connais pas. Pourquoi est-ce qu'elle aurait allemand ? Pour idéologie, je comprends pas. T'as toujours pas répondu pour ton vaisseau gratuit, hein. Mais tu m'as pas fait le... Si ? Tu m'as fait ? Bah non, je t'ai pas fait, c'est à toi de décider. Bah... Ouais, ok, ok. Pour moi, Einstein ? Attends, vas-y. Je trouverais... Nique sa mère. Florence ? Ah, nique sa mère en combien ? En deux ? En trois ? Einstein. Il me semble qu'Einstein était allemand, mais j'ai un petit doute. Ah. Il a eu une pensée. Il a sûrement pensé. Je pense qu'il a même beaucoup pensé. Je pense qu'il a même plus pensé que nous tous réunis. Tortue. Je suis pétrifiée. Tortue, vague, pile, danse. L'affaire Einstein, la fameuse. Balle d'Einstein. La fameuse d'Einstein. L'île d'Einstein. Einstein, pardon. Oh, serpent. Putain, pourquoi est-ce qu'il a parlé au moment où elle a dit article d'Einstein ? Du coup, ça lui a coupé sa... Mineur. Minuit. Papier. 7. Oseille, bébé, boulet. Est-ce que c'est pas une... Non. Non, je pense que j'ai le cerveau malade. Parce qu'en fait, il y a un moment où Einstein, quand il tire la langue, là, c'est devenu un espèce d'objet culturel trop bizarre qu'on a retrouvé dans toutes les maisons. Et il y avait un peu la version en bébé bizarre. Vous voyez de quoi je parle ou pas du tout ? C'est littéralement devenu... Absolument, je pense que c'est ça. C'est pas mon premier choix, je vais pas vous mentir. Si, si. Pourquoi pas ? Bon, déjà, je mettrais allemand parce que ça colle avec résistance et Einstein, je pense. Ok. J'ai aussi envie de mettre capitaine. Capitaine de la résistance. Mais si, ça se dit. Capitaine Einstein. Oui. Penser pour Einstein, ça me semble pas déconnant non plus. Allez. Pouah. Ça fait massacrer là. Reste... Moi, je sais pas. Hein. Là, j'ai pas trop d'idées là. Pour résistance, j'aurais héros, allemand, capitaine. Minuit, j'ai un doute. Je me demande s'il n'y avait pas un truc, genre, sur Radio Londres ou je sais plus quoi, là. S'il n'y avait pas un truc à minuit qui faisait l'espèce de journal de la résistance sur une fréquence, là. J'ai un doute. Peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle n'aille pas sur le mot noir, c'est tout. Je préfère dire allemand, mais le ici, reste... Ici, Paris, c'est l'heure d'Einstein. Je passe à cause d'un truc qui est évident, j'en suis sûre, et je le vois pas. La pile d'Einstein, la danse avec Einstein, l'affaire Einstein. Einstein qui est mort par balle, comme chacun sait. Le serpent d'Einstein. La tortue d'Einstein. Le manège. L'oseille. C'est pas vrai. Il s'est fait tuer par un voyageur dans le temps russe. Je l'ai vu dans Alerte Rouge 3. Tu le vois dans Oppenheimer aussi, cette scène-là, d'ailleurs. Sérieux ? Ouais, quand il se fait tuer par un voyageur dans le temps. Il se fait tuer par un voyageur dans le temps. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai commencé, j'ai regardé légalement Napoléon, je veux dire, et c'est trop chiant, je me suis emmerdé, quoi. J'ai même pas fait la moitié du film. Je l'ai pas vu, j'avoue. C'est n'importe quoi, en plus, quoi. C'est nous, il tire sur les pyramides avec des boulets de canon, t'as mais qu'est-ce que tu fais, bro ? Ah oui, yes. Ah oui, mais c'était dans la bande-annonce, oui, quoi. Il tire au boulet de canon dans les pyramides pour aucune putain de raison, quoi. Et bah pourquoi pas ? Au moins, tu laisses ta marque, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais fait ça à sa place, perso. Je suis étonné qu'il l'ait pas fait, tu vois. Très étonné. Je sais pas, vas-y, je pars sur minuit. DMG, mais bon rattrapage, quand même. Oui. C'est bon, on est à 4. Oui, ça va, ça, c'est mieux. C'est moi, la fratrie. Ballerine pour article et danse. Ouais. Là, c'est dur, là. Journal en deux. Là, c'est dur, mais... Une pile de journal. Je pense que ça va être ça. Hein.
Et un article, oui, bon, l'article, d'accord, évidemment, mais... Énergie pour pile et danse. Énergie... Je suis sûr qu'il y a d'autres choses pour énergie. Attends. En 3 Rotation. Rotation. Alors, je vais mettre pile de côté. Pas journalier à papier, ouais. Tu voulais me faire donner pile de verre, peut-être. Rotation... Rotation... Manège, évidemment, déjà, pour commencer. Un article... Rotation, est-ce que les articles, c'est les rotatives, finalement? Quand on imprime des journaux, c'est, on dit que ça passe dans les rotatives. Je vais mettre de côté également... Du coup, ça... Rotation, ça pourrait être papier, parce que c'est le papier qui fait une rotation. Danse, dans la danse, c'est on fait des rotations. Je crois que Zerator, il a cru qu'il était bleu ou quoi, là peut-être. Ça a plus de sens qu'article. Bon, déjà, manège. Oui. Le sens... est-ce qu'on... Rotation, oui, on tourne forcément dans un sens. Donc oui. Oui. Danse, rotation, c'est une forme de... Ouais, c'est une forme de danse. Hein. La valse, par exemple, c'est une rotation. Et oui. Ah. Ouais, c'est ok. Ah, mais c'est okay. Parce que Einstein avait fait la première saison de Danse avec les Stars. Bien sûr, c'était ça. T'as tout capté. Mm. Bon, faudrait que je... Antoine. Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où en 3 c'est faisable? Je ne sais pas encore, faut que je réfléchisse. Animalier pour tortue et article. Mm-hmm. Et il y a serpent. Il y a littéralement serpent. Vitesse. Je vois pas. À part tortue, elle va mettre vague pour vitesse à tous les coups. Écologie. Pourquoi écologie? Pourquoi est-ce que tortue serait plus valable pour écologie que serpent? Hein? Duracell. À part pour pile, quoi d'autre? La tortue Duracell? L'article Duracell? Parce que pour moi, c'est lapin. Ah, lapin en 2, ça peut être pas mal pour le lièvre et la tortue. Mais, enfin... C'est vrai que c'est pas mal, ça. Le lapin en 2. Mm-hmm. Parce que t'as le lapin, enfin, c'est le lièvre et la tortue, mais bon, le lièvre, ça ressemble à un lapin, quoi. La pile et la tortue, mais... Lent en 3. Un article lent. Une pile lente. Non, il y a balle chasse. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Retourner en 2. Qu'est-ce qu'il y a dans tortue? Elle trouvera peut-être un article avec Einstein. Franchement, elle n'y avait pas trop pensé. Donc, je pense pas. Lapin, c'est pas mal. Non, il y a balle. Il a raison. Pièce en 2. Là en 3. La pile, la tortue. Ouais, non. Parce que l'article, et pourquoi pas l'affaire dans ce cas-là aussi. Scientifique. Vous avez des cours? Non. Non, je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion. Mais je pense que c'est perdu, je pense. Je suis en train de raconter les musiques que je chante à mon gamin pour l'endormir. Fable. Ah. Fable, c'est pas mal. Tortue, article, pourquoi pas. Mais le problème, c'est papier. Papier est là, en fait. C'est ça, le problème, aussi. Longévité. À part pour tortue, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, en fait. Longévité. Salade en 2. Article pour salade, et encore. Et l'autre, je vois pas trop. Formation de la tortue, d'accord. Mais encore, du coup, formation d'article et formation de pile. Pile de formation. De La Fontaine en 2. Non. Face en 2. Pourquoi face? Face de tortue? Article face? Face d'article? Parce que pile et face, d'accord? Pièce, peut-être. Pièce, article, tortue, pièce. Putain, c'est trop dur. En 2, je pense que le lapin en 2, il va y avoir balle. 100%, elle va mettre balle pour... Journal en 2. Le problème, c'est qu'il y a papier. Il y a article et papier. Voilà. Article et papier.
Donc ça, c'est mort, c'est sûr. April, la journaliste des Tortues Ninja. Tout le monde n'a pas 40 ans, je suis désolé. Première en deux... Je vois pas, non. Zidane en 3. En Irak. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'Iran qui a attaqué des bases américaines. Ah ouais. It begins. Attends, je me renseignerai après là-dessus. Coquille. Pourquoi? Ah, coquille pour l'article. Un article dans une coquille. Une coquille dans un article. Franchement, je vais faire ça. Hein. Je vais pas me casser les couilles plus longtemps. Hein. En deux, hein. Il y a boulet. Bah quoi, coquille de boulet, bah quoi. Dos en trois. Ah non. Il y a boulet. Je vine chez où? Je me suis même pas fait. Je comprends pas. Bon, quel rapport avec boulet et coquille? C'est quoi le rapport avec boulet et coquille? Qui prend ce boulet pour dire coquille? Il y a serpent. Le serpent n'a pas de coquille. Œuf de serpent. Ouais, mais pour moi... Bon, c'est la carapace, mais... Couverture. L'animation de paroxysme, là. Oui. J'avoue, l'animation, elle est ouf, là. Bah, c'est généralement ceux qui doivent deviner qui doivent animer, hein, je vais pas dire, mais bon... Ouais. C'est vrai, c'est vrai, hein, vous avez rien à faire. Je veux pas gêner votre... Bah, discute, là, de quoi tu veux qu'on parle? Je t'en prie, parle de l'Irak. Ok. On peut trouver un truc plus sympa, peut-être. Non, il y a bébé, ouais. Star Citizen, par Putain, exemple. C'est trop dur. Le jeu vidéo en deux. Du fandom de Sonic. Pourquoi jeu vidéo en deux? Longévité, c'est bien. Mais en fait, je vois pas... À part Tortue, je vois pas le rapport. Ok, c'était très bien. Personne ne pense à Boulet. Excuse-moi, j'ai écrit un... Mais oui, mais après... Ça va? Bon, je vais mettre... Oui, toi. Ça va très bien, écoute. Oui, au pire, on perd. Tu vas bientôt pioncer, là, dans une demi-heure. On est un petit peu éolis, quoi. Désolé d'interrompre votre conversation, du coup, que vous venez de commencer. Mais Nick Summer, j'en ai marre, je vais faire ça. Perdu, tu dis Guillaume SB? Ok, on verra. Florence donne 8 tort à ce fils 2. 3, 2, 1, coquille en 2. Coquille en 2? Ah bah, en 3, c'est impossible, hein. Franchement. Okay. Coquille. Bah, techniquement, la tortue, c'est un peu une coquille. Elle vit un peu dans une coquille. Bon, c'est pas le mot exact, mais tu fais comme tu peux, tu vois. Les vagues. Ça dépose sur le sable des coquillages, donc des coquilles. Jamais elle validera ça. Jamais elle validera ça, je vous le dis. Dans un article, il peut y avoir une coquille. Une pile de coquilles. Serpent. Les œufs, c'est un peu des coquilles, mais c'est un peu tarabiscoté, là, cette histoire, quand même. Balle. Non. Je sais pas pourquoi elle voulait... À chaque fois, elle veut mettre vague, alors qu'il y a... Le boulet sort de sa coquille. Aussi, oui, c'est vrai. Mais je vais y venir plus tard. Mais je ne comprends. C'est quoi cette histoire de boulet coquille? Je comprendrai l'affaire. C'est des mots français que je connais pas alors. Non plus. Bébé. C'est bébé, quoi ça? Bébé, ça vit dans une coquille. Non. Quoi? Oseille. J'ai pas la ref. Hein. Sept. Les sept coquilles. Papier. Une coquille de papier. Oui, il a juste fait une vanopiste. Ok. Une coquille de papier, c'est bizarre. Boulet. Bon. Article d'un autre côté. Einstein, il a dû écrire des articles, I guess, hein. Donc, une coquille dans un article. Oh, est-ce que c'est pas le moins évident? Article. Ok. Bien joué. Ok. Les vagues déposent des coquilles. Oh, oh non! Putain, pourquoi tu voulais tellement mettre vague depuis le début? Pourquoi? Mais parce que t'as dit résistance, espèce de con! Mais quel rapport avec vague? Les fameuses... Alors que pile, une résistance dans une pile! Déjà, le film, et ensuite... Mais le film est... Mais... Une vague de résistance, je sais pas. Mais quoi? Mais une vague de... Mais pas du tout! Bah, je sais pas, moi ça me semblait évident. Moi ça me semblait pas évident. Moi, non, mais moi, dès que t'as dit résistance, j'étais en mode, oh, il troll, pourquoi il a dit ce mot-là? Heureusement, mais heureusement qu'elle a cliqué sur le nom, parce que moi, premier prochain tour, j'aurais mis pile direct et vague pour rotation. Et moi, en fait, je savais que t'avais pile, et je me suis dit, si là, ils font pas de vignes. En fait, pile, c'est de résistance, c'était pour allemand, capitaine, héros et pile. Ouais. Pour les piles de résistance, quoi. Et. Résistance, genre les piles.
Ouais, ok. Et bah, les piles électriques, les piles. Oui, mais j'étais trop parti sur un truc historique. Ouais. Les piles électriques. Ah, c'est le papier pour gratter. Aïe, 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 aïe. Putain, vague. J'étais en mode, oh non, il connaît pas papier de verre, ça va être trop dur. Mais parce que moi, j'appelle ça du papier craft. Non, non, c'est vrai. J'ai renforcé direct pour la résistance, mais avec Cookie, j'étais en mode, bah, ok, tu converges, tu vois. En fait, dans les mots que j'ai dit, à aucun moment, je pensais que t'allais mettre vague, j'avoue. J'ai été étonné les deux fois. Instant. J'ai été étonné les deux fois, j'avoue. Mais par contre, c'était dur d'avoir tortue, plage et vague. J'avais tortue et plage et ne pas faire deviner vague, c'était dur, j'avoue. Ouais, ça, c'était dur, par contre. J'avoue. Moi, je crois que j'appelle ça du papier ponce, en fait. Ça, c'était dur. Hein. Ouais, le film La Vague, mais j'avoue, j'y ai pas pensé. J'avoue, j'y ai pas du tout pensé au film La Vague. Du film. Je trouve une vague de résistance, ça, on entend ce ouais, c'est ouais, bon, on tu l'entend, vois. Ça. Je sais pas, moi, ça me dit rien du tout, j'avoue. Je pense que vous inventez après, voilà, c'est pas grave. Hein. Là, bon, Fred, c'était trop dur pour faire 3, mais bon. Ouais, c'était trop dur, mais heureusement. Franchement, c'était dur. Ouais, allez, non, merci beaucoup en tout toi. Cas pour la soirée, merci infiniment, c'était très cool. Voilà, bah merci beaucoup. Me cure le nez en profondeur régulièrement. Ah, putain, il recommence avec ça, il est obsédé. Mais arrête de te curer le nez, putain. Moi, je me cure pas le nez sur mon stream, hein. Alors, non, moi non plus. Mais tu vois, c'est une manière de montrer à mon chat que je suis proche d'eux et que je me sens tellement à l'aise avec eux. Oui, proche d'eux, ça veut dire proche de ton public égale tu estimes qu'ils sont dégueulasses, ça veut dire en gros, c'est ça? Non, ça veut dire qu'on estime qu'on est à l'aise, tu vois. Moi, je stream en pyjama, je pue, je me cure le nez, tu vois. Les gens, ils viennent pour de la proximité, c'est ça qui marche en 2024, tu vois, c'est la proximité, tu vois. Et les gens, ils en ont marre des youtubeurs stars ou des streamers stars millionnaires là qui sont déconnectés d'eux. Tu vois, moi je suis comme eux. Tu vois, je pue. tu vois, c'est bien ce que je disais. Je suis comme eux, je pue. Voilà. je sais pas quoi te dire, Fred. Tu viens de te débunk toi-même. Je suis comme vous après tout. Je suis un gros dégueulasse quoi. Finalement. Je suis comme vous après tout. Une merde, tout simplement. Je pue alors que je suis juste comme vous. Je suis comme vous, une merde, voilà, tout simplement. On a le streamer qu'on mérite. Bah ouais, voilà. Oh putain, il vous traite de puant, vraiment. Moi, je suis sûr, vous avez un parfum très délicat, j'en doute pas, franchement. On est égaux. Mais non, il faut pas être pareil que les gens, il faut leur donner envie de rêver. Et regardez-moi. Ils sont grave en train de rêver. Regardez Antoine, tu veux dire merde, quoi. Il faut leur donner envie de rêver aux gens, de s'évader du quotidien. Pas du rêve là, quand il suce hors cam, Antoine là. Putain, tu me donnes envie de sucer hors cam là, mais vas-y. Eh ouais, je sais. Tu donnes pas envie là, quand Fred il se touche les couilles là en live. En vrai, du rêve en barre. C'est ça qui donne envie, c'est qu'ils savent pas à quel moment je le fais en fait. Rêve en barre, l'homme. Rêve en barre, oui, bien sûr. C'est pire parce que maintenant, dès que tu vas pas avoir une main visible à l'écran, ils vont se dire tu touches les couilles là. Tu te touches les couilles là. Là, tu te touches les couilles là. Là, non, là, j'ai les mains. Non, mais ton chat, là, prochain stream, là, tu vas avoir une main sur la cuisse et puis ils vont pas péter un plomb. Hein. Mais ils vont pas péter un plomb, mais bon, écoute, ils le savent, c'est tout. Il a des couilles, il les touche, écoute, il a bien raison. Je te promets, Florence, que si t'avais des couilles, tu les toucherais assez régulièrement. Hein, donc, c'est une texture bien particulière quand même. Je te promets que. Voilà, c'est comme ça, quoi. Bien sûr. Attends, mais tu gardes les mains au chaud. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Dans les plis. Non. Bon, ça suffit, Fred, par contre, maintenant. Là, je pense que. Je pense qu'on est bon, là. Je pense que ça suffit maintenant, Fred. C'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, peut-être y aller. Allez. Des bisous. Hein. Ciao. Salut. Salut. Ça va être dur de trouver un titre de VOD, par contre. Hein. Bon, allez. Les couilles de Fred. C'est un bon titre de VOD, ça. Les couilles de Fred. Tout simplement. La VOD s'appelle Les couilles de Fred. Oh putain. Bon, c'est démonétisé instant, hein, mais quand même, c'est stylé. Hein. Do you know Fred's Balls? Fred's Balls. Putain. Fred's Balls. Les coquilles de Fred, ça, c'est bien, ça. Ah, les coquilles de Fred, c'est une bonne VOD, ça. Tiens, Mousse, tu notes? En deux, les coquilles de Fred. Non, je dis first, c'est les coquilles de Fred, c'est moi. Trop tard, j'ai dit Mousse, tu... Non, c'est mon chat. C'est ma propriété. Pardon, désolé, attends, je sais que t'aimes pas. Pardon, j'essaie juste d'être proche des gens, j'écoute son conseil, voilà, point.